Hello everyone, welcome to BGS, Binge Gaming Station number 39 with Borderlands, the Pre-Sequel. The Pre-Sequel, yeah, the Pre-Sequel. Vous allez me demander, mais pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est la suite, mais qui se passe avant de Borderlands 2. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est un Borderlands 1.5, même si ça n'a rien à voir. Parce que c'est basé sur le 2, donc... Oui, c'est compliqué. Bon, alors comme vous le savez, Borderlands, le premier du nom, il est sorti en 2009. Il a été édité par 2K Games et c'est Gearbox, donc le studio de développement. Gearbox, c'est ceux qu'on fait, enfin qu'on terminait, qu'on a achevé le Duke Nukem Forever, qui ne devait jamais sortir, et qui est une daube. Peut-être que je le ferai un jour quand même, pour déconner. Et il s'avère aussi qu'ils ont fait des jeux pour le très célèbre studio Valve. Ils ont fait en fait les extensions c'était Opposing Force. Et l'autre c'était Blue Shift. Et du coup donc Gearbox, bah, ils ont fait Borderlands 2009. Il y a eu Borderlands 2, alors lui je me rappelle plus très bien. Borderlands 2 en 2012, ouais, 2009-2012 en 3 ans. Et là, on a le Borderlands The Pre-Sequel. Et alors là, c'est encore un peu plus près, je crois que c'est 2013. Faut que je vérifie. Mais j'ai pas les dates, toutes les dates en tête, hein, messieurs, je suis désolé. Ah, 2014, donc 2K9, 2K12 et 2K14. Vous voyez, il se passe un peu de temps, 2 ans. C'était 3 ans. Et en fait, à chaque opus, les choses évoluent. Il y a une amélioration graphique notoire, hein, ça, il n'y a pas de doute. Mais aussi des optimisations, c'est plus propre. Et celui-là, il est par rapport à la version de 2012, donc Borderlands 2, il est quand même plus optimisé, j'ai un peu. Et plus travaillé. Alors, comme vous pouvez le voir, ça, c'est le beau Jack. C'est le personnage qu'on voit dans le. Bah, dans le 2, si vous vous rappelez bien. L'épisode 2, c'était. On était toujours sur Pandora. On était avec une nouvelle salve de chasseurs d'arches. On était amené à rencontrer les chasseurs d'arches du premier opus. On intégrait leur équipe et notre but c'était stopper donc, le beau Jack qui voulait prendre contrôle de Pandora. Et de tous les décors, enfin de tous les décors, de tous les secrets, toutes les arches qu'il pouvait y avoir sur la planète. Avec de sa station Hyperion. Et donc on va voir ce qui se passe dans cet opus. Alors on va faire une nouvelle partie. Ouais, ça commence direct. Alors je vais couper juste le son, ça vous arrive. Pas de problème. Va falloir t'expliquer un peu, ma grande. Formée dès l'enfance par Atlas au métier d'assassin, plus de 1000 meurtres à ton actif, t'as bien failli tuer mes deux meilleurs hommes avant qu'ils ne te capturent. On est ses meilleurs hommes. Ça me réchauffe le cœur. Oh. Alors voilà, Athéna. Je vais te poser une seule question. Et si je n'aime pas ta réponse, tu vas mourir. Anjou! Attention, je ne répéterai pas. Pourquoi ? C'est une longue histoire. Après la chute du général Nox, j'ai arpenté Pandore comme mercenaire. Un jour, un programmeur de chez Hyperion m'a proposé un boulot. Il fallait que j'aille sur la Lune, chasser une arche, jouer les héros. J'aimais pas Hyperion, mais j'avais trop faim pour refuser un job payé. Et qu'est-ce que t'as trouvé ? La violence, la folie, et un héros. Thank you.
Si la Légion oubliée n'avait pas attaqué Helios, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je ne crains pas les attaques. On est de retour. Bon, la vidéo était sympa. J'aime beaucoup les génériques de Borderlands. C'est toujours très... comment dire? C'est... c'est particulier. C'est très rock. C'est funky sur les bords. Et voilà, il y a beaucoup d'humour. Alors... Bon déjà, le choix... C'est parti. Le choix est vite fait. Hein, vous allez voir. Ah, il a un drone. La meilleure gâchette de Pandore. Alors, on peut choisir Claptrap. Le suspense est insoutenable. Mais... Claptrap, il me fait rire. Mais... De là, le choisir. On va voir que ça serait c'est drôle. Enfin non, moi je préfère... Attention. Aurélia, haute couture Aurélia, ouais. Alors elle, c'est un personnage que j'ai pas vu. Donnez-moi un rêve! Bah, c'est le beau Jack! Le beau Jack, je suis obligé de le prendre, je suis désolé. Parce qu'il est beau gosse! On peut choisir sa tête. Jack. Jack à fond. Couronne brisée. On va juste choisir Jack, l'apparence. Par contre, on va la changer parce que je la trouve pas terrible. Écarlate. Vert millionnaire! J'adore. Il y en a tellement. Vert pour plaire. Ah, il est tout green. Rouge. Direction la lune. Bleu. Ah, j'hésite là entre le vert et le rouge. Ah, en rouge, il est beau gosse. Et puis, bah, le nom. Bon, on va pas changer de nom. Hein. Par contre, on ne peut pas revenir en arrière. Je peux pas. Ah, c'est. Voilà. Bing, gaming. Comme ça, on est bien. Ouais, bon, Bing gaming S, comme le nom de mes profils. Alors, donc, Bing gaming. On peut pas. C'est bien, c'est que je suis obligé de tout réécrire si je me plante. Voilà, c'est bon. Je confirme. C'est parti. Alors, désolé, je fais un peu de bruit. Ah, je sais. Et merci d'avoir répondu à l'appel d'Hyperion. Malheureusement, la station spatiale Helios essuie présentement une attaque des forces militaires de Dal. Mais pourquoi il est bleu? Maintenant, suis-moi. Je vais te mener jusqu'à ton contact. Ah, déjà, la première chose qu'on puisse dire, c'est qu'il est bleu. Pourquoi il est bleu? Normalement, il est orange. C'est, on a, comme je change de couleur. C'est quand même ce qui est déjà énorme, c'est d'être dans la base d'Helios. Parce que Helios, dans Borderlands 2, si vous vous rappelez bien, si vous avez suivi ma BGS, alors je me rappelle plus, c'est la combien. On voit Hyperion de loin. Il se passe plein de choses venant d'Hyperion, mais jamais on. Ouais, jamais on. On y va quoi. Et là on y est, c'est ça qui est fort. Attends, je baisse un peu le son. Ça vous serait pas embêté.
Pas que ça prenne le chou non plus. Alors je vous avoue, j'ai pas testé les enregistrements. Donc... On doit trouver Jack. Mais moi je récupère. Alors quand même le concept de Borderlands, pour ceux qui n'ont pas remarqué, c'est un FPS, hein, donc au jeu à la première personne. Cell shading, c'est-à-dire effet manga, vous voyez. Tout est en cell shading, c'est magnifique. Et derrière ça, vous avez du RPG basique, avec des armes, avec des niveaux, on peut améliorer son matos, des ennemis plus forts qui augmentent de niveau, etc. Vraiment les bases des RPG. Et on est sur la planète Pandora. Pandore, ça dépend comment. Si on est anglophone ou francophone. Et cette planète qui est dans le système solaire, alors on sait pas trop où exactement. À la particularité d'abriter des arches. Les arches, ce sont des, on va dire, des objets extraterrestres qui sont en fait des portes. Ça, on le sait qu'à la fin du premier épisode, Borderlands 1, qui en fait sont des portes vers un autre lieu qui renferment des trésors. Et dans le premier, c'était en fait l'arche secrète extraterrestre. Et en fait, oui, c'est extraterrestre. C'est pas humain. En fait, c'était une porte vers une prison galactique où il y avait un monstre qui en sortait. Et enfin, dans Borderlands 2, c'était pareil, elle activait un monstre légendaire qui se situait dans les tréfonds de la planète Pandore et qui avait la particularité de vivre dans la lave et d'être très très fort. Et à la fin de Borderlands 2, on avait une carte avec plein d'arches, et cette fois-ci dans tout le système de Pandore. Ah oui, alors oui, le côté insulte, etc. Faudra pas être choqué hein, parce qu'ils sont très. Alors je loot, je suis désolé, mais j'ai pas le choix en fait. Faut tout le temps looter dans le jeu. Appuyez G pour lancer une grenade. Ah, c'est niveau 2 donc je peux le prendre. Et tout le jeu ça va être ça, c'est récupérer des armes plus puissantes pour battre les ennemis plus vite. Alors j'espère que c'est dans cet épisode là, je vais pas m'énerver comme dans le précédent épisode. Il faut qu'on rejoigne la salle de contrôle du tir lunaire pour trouver Jack. Il m'adore. T'adore, tu m'étonnes. On est lui. Donc ouais, donc c'est le concept même de ce FPS, c'est récupérer du coup. Pas la douleur, mais en réalité, on la ressent au ralenti de façon très intense. Ce robot était en pleine agonie au moment de sa... Ouah, le claptrap est mort. C'est génial. Mais c'est vous les chasseurs de l'arche que j'ai embauchés? Le vrai Jack, pas le faux. Parez au combat. Et mon double est enfin arrivé. Tu as l'air franchement séduisant. C'est extrêmement perturbant. Ah, alors, je me rappelle plus c'est comment on fait pour utiliser les médecines. Tout est tellement joli. Ah, faut que je sois niveau 2, ouais. Je me rappelle plus des touches pour récupérer du matos. Terre, carte. Comment on fait pour s'injecter un truc pour survivre? Je me rappelle plus. Ouais, qu'il y en a un peu par là.
Je suis désolé hein, si je commence déjà à être un peu relou au niveau du looting. Ah non, mais c'est le concept du jeu, donc je suis obligé de suivre le jeu. Quoi. Claptrap est mort, vraiment, ou c'est une blague? Mais là, je suis coincé. En avant. Tu es là. Par les côtés, les côtés. Le beau Jack. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors, sachant dans l'épisode 2, donc Borderlands 2, c'est le méchant. Hein. C'est le grand méchant. Là, c'est pas un méchant. Alors, c'est plus complexe qu'on en pense. Attention, Hyperion. Votre station spatiale Helios est désormais aux mains de la Légion Oubliée. Rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La Légion Oubliée. Accepte. Oh, je suis mauvais, ça va être très compliqué. Enfin, la bande-son est pas mal aussi. Vous avez vu, ils sont pas débiles, hein. Ils restent pas en place pour... Ah, je suis mort. Alors, attendez. Ah, je vais pas y arriver. On va se recharger près d'un point, d'un spot. Ça c'est... Ouais, c'est Borderlands 2 quoi. Ça ils ont pas changé. Pareil, les sauvegardes ont pas changé. Donc bah ouais, c'est vraiment la continuité quoi, y'a pas de différence. Attendez. Un truc à récupérer là. Ah ouais, ça... J'ai l'impression d'être un... Un vieux papy qui retrouve vite fait comment on faisait pour jouer. Ah mais allez, la sauvegarde elle est loin. Elle est pas plus près. Faut que je trouve un point de sauvegarde plus près, parce que là, s'il faut que je me recoltine tout à chaque fois... Pas un truc de sauvegarde dans le coin... Ouais, mais Claptrap, il est où? J'ai pas compté le nombre de chasseurs de l'arche c'est comme pour ce nouveau opus. Attendez. Alors que la trappe est considérée comme un chasseur de l'arche. Quoi. Donc il y en avait 6. Entre le nouveau Bojack et... Pas le nouveau Jack, ouais, le deuxième Jack. Parce qu'en fait, là, il s'appelle pas encore Bojack, il s'appelle le Jack. C'est bon. Et
Oh, il va deux secondes. Je nettoie la zone avant, mon grand. Je connais. Hein. À moins que tu préfères attendre. T'as du boulot. Ok. Non, je vais rester là. Avec mon hémorragie interne. Oh, c'est il va juste pas. Comme un autre, après tout, mais. Ah oui, fais pas attention à moi. Je suis rien de plus que ton employeur. Ouais. Désolé, je suis passif-agressif. Pardon, oui. C'est sûrement un symptôme de mon épidémie. Mais non, non, mais non, vraiment, non, le... non, non, je suis sûr que tu as plein de trucs super importants à faire. Alors je vais rester tranquille et éviter de perdre mon intestin grêle. C'est, ça va être cool. Comment il s'appelle, je le sens. C'est Jean-Baptiste Lemoyne, je crois. Baptiste Lemoyne. Comment il s'appelle? Je m'en rappelle plus, doubleur. Je suis désolé, hein, je. Non, c'est Christophe Lemoyne, autant pour moi. 43 ans, Christophe Lemoyne, déjà. Hein? Le temps passe si vite. Et c'est doubleur de Cartman. Christophe Lemoyne. Christophe Lemoyne, c'est le doubleur de Cartman. Et de Butters aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Butters. Salut, c'est moi, Butters. Oui, c'est moi. Non, il parle pas comme ça, mais j'aime bien. C'est un de mes personnages préférés, Butters. C'est lui qui a le plus subi et. Ton héros est là. Oh bon sang! Tu m'as sauvé! Ah, merci! Ah, désolé, j'ai le cœur qui s'emballe, c'est la première fois qu'on me tire dessus. Ah, c'est marrant en fait. Écoute, ces salopards ont attaqué Helios juste après que je t'ai convoqué. Si on arrive à les repousser, on pourra partir à la recherche de cette arche sur la lune. Ben, je veux bien, mais. Je récupère des matos. Avec la trappe là, on peut pas la réparer? Ça m'embête que Claptrap soit status deceased, parce que là, ça... Allez, vas-y. Très bien, tu as trouvé un bouclier. Tout est dans le titre. Il absorbe les balles jusqu'à ce qu'il soit vide. Ensuite, pense à te planquer le coup. Ok, bah c'est cool. Surcharge. Et laisse-moi juste activer les... Ouais, moi aussi. Laisse-moi juste. C'est échangé. C'est bon? Juste une minute et on aura des tourelles, des champs de force, des lasers. Ces canards vont rien comprendre. Regardez-moi ça, c'est super beau. Système de défense d'Helios brouillé. Hein? Quoi? Origine du signal de brouillage. Elpis, lune de Pandore. Oh merde, les tourelles! Neutralise les tourelles! Ok, mais si y a un temps de chargement comme ça à chaque fois, on va pas s'en sortir. Mais c'est de mieux en mieux cette journée. Très bien, plan B. Si on peut pas reprendre Helios, il faut évacuer. Les vaisseaux de secours sont par là. On doit à tout prix prendre le contrôle. Hé, hey, Jack numéro 2. C'était qui cette fille? Elle est à la tête des abrutis, je crois, je sais pas en fait. Mais le premier qui lui tire une balle en pleine tête aura un high five et un manoir de folie. Un manoir de folie. Il est trop. Et un high five et un manoir de folie. Vraiment. Il y a du matos partout, c'est horrible. Il faut tout regarder. Hein. Si vous voulez survivre dans le jeu, il faut tout regarder. Ok, je vais ouvrir cette porte. Les vaisseaux ne sont plus très loin. Vas-y, on voit du bois. Ah bah attendez, oh, il y a encore du loot. Faut looter, faut looter. Je suis désolé mais je peux pas m'empêcher de looter. C'est veut looter. Délooter. Relooter. Ah ça y est. Oh c'est pas possible. Oh là, fait peur. Ah bah non. On va pas pouvoir se barrer, allez. Hé,
C'est leur colonel. Lance le plan, une bonne balle en pleine tronche. Bonjour, Jack. Ouais, qu'est-ce qu'elle a eu aux yeux, là? Colonel Zarpedon. Qu'est-ce que... Hein? Bah attends, mais c'est un extraterrestre. Ok, léger malaise. Ah mais... Un extraterrestre? Et comment ça se fait? Ah super, elle a détruit les vaisseaux. Faut qu'on trouve un autre moyen de quitter la station. Non mais c'était quoi ça? J'ai pas signé pour ça, moi! Aucune idée, mais quelque chose me dit qu'il pourrait nous tuer par la pensée, alors tu sais... Jack, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah oui, clairement, c'est quoi ce bazar? Non mais les extraterrestres, ce que vous venez de voir là... Rien, chef. C'est un extraterrestre qu'on voit dans Borderlands 1. C'est-à-dire en fait à la fin de Borderlands 1, lorsque vous activez l'arche et tout le système, vous allez récupérer tous les morceaux. Ce qui se passe, c'est que il y a une invasion extraterrestre. En fait, ceux qui ont créé les arches, les extraterrestres, ils apparaissent d'un coup et ils se battent contre tout le monde, donc d'abord les ennemis. Mais nous aussi, sur Arche sur place. Et ils ressemblent à ce que vous venez de voir, parce que là, il est comme une super armée. On discutera de tout ça bientôt, John. Voilà, LP. Cette saleté de brouilleur est quelque part sur ce caillou fissuré. Et il fiche la pagaille dans tous les super systèmes de sécurité de la station. Nom d'un prépuce. Et pourquoi vous nous attaquez, bande de traîtres? Je veux cette station. Et je veux sauver l'univers. Sauver l'univers, et contre moi. Ouais, alors si à chaque fois il y a un temps de chargement, on va pas s'en sortir. Tab. Petite arme à récupérer. Bon déjà il est propre. Puis il tourne bien, vous avez vu. Je vais être à 60 fps minimum. Regardez-moi ça. Donc là c'est Pandore. Alors Pandore vous voyez bien les rouges à train. Il y a des gros emblèmes, des gros logos là. On va dire qu'on est dans Hyperion là, dans la bulle d'Hyperion là. C'est énorme. Ah, il y a du bonus. Ça sent le bonus. Ah, je vous ai dit. Est-ce que je peux m'équiper de gun plus puissant déjà? Ah, attendez, dégâts. C'est lequel le moins pourri? 23, 13, 18. J'ai pas encore de grosse mitrailleuse, mais j'ai un gros gun. Et ça c'est beau.
Oui, je loot. C'est le concept même du jeu, messieurs dames. Ah, il y en a partout. L'argent aussi, c'est utile. Bon, il n'y a rien à récupérer, tant pis. Ah, super. On a un point de sauvegarde. J'ai une idée stupide. On va utiliser ce canon de tir lunaire. Quoi ? C'est quoi cette histoire de canon de tir lunaire qu'on cherche ? Imagine un gros canon qui bombarde des ravitaillements sur la surface de la Lune à environ 1000 km. On se faufile dans un conteneur et on s'enfuit vers là. Ah, j'espère qu'on va retrouver Claptrap parce que moi j'aime bien Claptrap. Hein ? Alors il est relou, mais j'aime bien. Belle mort, pas vrai ? Ils ont atteint le canon de tir lunaire ! Vite ! Ah, c'est plus efficace. Ah oh bah il est pas mort. C'est sérieux là. Pitié, laissez-moi. Vous ne savez pas pourquoi ces hommes de Dal voulaient tuer Jack? J'avais bien une petite idée. L'argent, la vengeance. Enfin, qui a vraiment besoin d'une raison par ici? L'argent. Athéna est avec nous. C'est elle pour moi au tout début du jeu qui doit être jugée là. C'est pas mis en route. Wouah, ça sent la reine. Ah, c'est une reine. Soyez purifiés par les flammes. Tu se type, j'imagine. Flame Knuckle. Ah, il suffit de lui tirer dessus, parce qu'il n'a pas de protection. Nom d'un préfet, soyez sage. Merde, le mec qui brûle, tu le mec qui brûle. Ah, on peut les repérer quand même. J'ai réussi! Oh putain! Point de compétence, alors qu'est-ce que je peux améliorer déjà? Térité, dégâts de mesure en mouvement contre les ennemis. Je peux pas? Q, activer, désactiver l'ensemble. Ah d'accord, que j'ai pas le choix. Ok, bon bah voilà. Vous avez bloqué une compétence d'action F pour l'utiliser, déjà. Ouais, ça marche bien ce truc. L'ascenseur est par là. Ah, les digi-jack. C'est assez excitant. Ouais. Notre temps pour commencer l'histoire, on descendait juste d'un. Ah, Mordecai, c'est ce qu'on voit dans Borderlands. Arrêtez de flatter la prisonnière. Il vit dans un lieu avec plein de trucs qui volent. Genre de skag volant. Allez, l'ascenseur. Les skags, c'est des gros. Et bien sûr, quoi. C'est des.
C'est des gros chiens lézards, en fait. Qui traînent sur la planète de Pandore. On pourra entrer dans le canon depuis là-haut. Je vais appeler l'ascenseur. Ouais, ça sent la connerie. Bon sang, il y a un truc qui bloque l'ascenseur là-haut. Faut qu'on trouve une solution. Ah oui, il y a un mec de coin de cette norme. Très bien, j'ai une idée. Je vais trafiquer le terminal de chargement. D'accord, il y a des trucs à récupérer avant que le board. Non, je vois rien, on y va. Allez, monte dans le truc géant en forme de bas. Regarde où tu mets les pieds, la chute est longue. Mais ça pourrait être un problème, parce que j'ai un peu le vertige, et bon, du coup, je... Alors, j'ai un peu le vertige. C'est une sacrée grosse balle. Attends, je vais faire tourner le cylindre. Ascenseur que je puisse te rejoindre. Alors, où est l'ascenseur déjà? Ah, il s'est bien fait coincer. En même temps, c'est pas grave, il ressent pas la douleur. Dégage-le de là. M'emmerde, ce porteur. Pas étonnant que Dal nous ait ratatiné. J'ai besoin de plus de soldats. Des brutasses, d'un bon genre. Ah, on peut acheter du matos. Wouh, on a réussi, très bien. Suffit juste qu'on entre dans un conteneur. La plaie d'Hyperion ne doit pas. Dès qu'on aura tué ce débile. Pourquoi il crève pas, lui? Encore d'autres beaux mecs. Et voilà, super. Ah, c'est super efficace. Ça fait deux fois que tu me sauves la vie. Maintenant, faut qu'on... Ah, mais qu'est-ce que... Mais les commandes sont endommagées. Faut que quelqu'un reste là pour lancer les vaisseaux. Je dirais bien ma doublure, mais il est beaucoup trop sexy pour mourir. Je ressens comme une sorte de malaise. Très bien, nouveau plan. Je reste là. J'ai besoin que tu ailles sur la lune. Tu dois trouver ce brouilleur et le neutraliser. Ou on reprendra jamais le contrôle de la base. Et on peut dire adieu. Ah, c'est pas... Rester et mourir? Tu veux pas qu'on échange ou un truc comme ça? Je sais pas. Tu m'as bien sauvé deux fois la vie. C'est mon tour. Et là, je suis un héros. Et un héros, ça passe son temps. À se sacrifier, super, c'est bon. Un distributeur de santé. J'en ai fait installer un suite à un accident. Un ouvrier avait perdu son... torse. Pense à te soigner avant de descendre sur la lune. Tu peux aussi récupérer des munitions. Tu en trouveras juste là. Faut qu'on fasse monter un conteneur de tir lunaire. D'habitude, on y charge du matériel, mais cette fois, ce sera toi. Merci pour l'oseille. C'est toujours un plaisir. Passe le mot. Munitions, Marcus. Ok, ce conteneur devrait faire l'affaire. Ouais, je veux bien, merci. D'accord. C'était 23, lui c'est 34, 32. Oh, je regrette déjà tellement d'avoir dit oui. Ouais, on se revoit quand on aura désactivé ce brouilleur. Heureusement, là, c'est du loot.
on y va. Et il pisse, donc on reste sur la lune. Je te charge dans la chambre de livraison. Ça va être bruyant et aussi un peu génial. Tu veux dire que Jack, le beau Jack, le même fils ah, c'est l'élite. Que mon copain, est resté en arrière pendant que tu fuyais? Tu parles. C'est ça. Je ne saurais pas vous dire s'il a fait ça par héroïsme ou par pure stratégie. Mais si Jack n'était pas resté en arrière pour éjecter le vaisseau, je serais morte sur Helios. Ton histoire me rendrait presque le beau Jack sympathique. Moi, ça du tout. On est prêt à tirer. Quel sens est en voie à Concordia? C'est la plus grande ville d'Elpis. Je connais quelqu'un là-bas qui pourra t'aider à trouver ce brouilleur. Vous êtes prêts? Donc ce qu'on voit qui nous parle en fait c'est les premiers chasseurs de d'arche. Lilith, Brick, Mordecai, c'est les premiers. C'est parti. Le voilà! Ouvrez le feu! Oh merde! Si on éjectait la vitesse de la lumière, on va pas s'en sortir. Oh là là, Hyperion. Hyperion est attaqué. Ah, elle s'est fait exprès, quoi. Je pensais que c'était un truc... Ah ouais, elle pisse juste en face du père. Elle sera trop forte. Voilà mon plan. Quand tu le sens, t'ouvres la porte et tu me suis jusqu'à ma bulle d'oxygène. Ça te va? Réponds pas. Garde ton oxygène. Déjà, il y a la pression, quoi. C'est sympa. Attends, je vais baisser peut-être un peu le son. Non, c'est bon. Il y a déjà la pression. Vous êtes prêts? C'est parti. Jane Springs. Black Marketer, ok. Ouais, on va crever quoi. La carte avec une ligne d'intérêt ainsi que l'emplacement exact de repère de navigation. Ouais, bon, on fonce. Ouais, on est en train de crever petit à petit quand même. De ce côté, pense pas à cette histoire de raisin. Là, je vais activer ce générateur de dôme à oxygène pour que tu puisses respirer. Ça va mieux. Y'a des trucs à récupérer dans le coin ou pas? Par contre, ils ont pas fait un truc genre ça se réduit ou je sais pas quoi, ça t'es drôle. Ce serait la honte de mourir maintenant. Je peux pas respirer. Y'a rien à récupérer là. Tout va bien? Un plaisir de te rencontrer. Jenny Springs, vendeuse de bidules. Et toi? Moi c'est Jack. Eh ben... Enchanté, Jack. Merci. Bon alors, qu'est-ce que tu fais là? Il y a un brouilleur quelque part dans le coin. Il faut qu'on le désactive et qu'on retourne sur la station Helios. Un brouilleur, tu dis? J'ai rien vu qui ressemble à ça. Essaie de faire un tour à Concordia, une petite ville dirigée par un type appelé Mérif. Tu trouveras bien quelqu'un là-bas pour t'aider. Par contre, il va te falloir un réservoir d'oxygène pour y aller. On appelle ça les kits. J'en ai quelques-uns de casés dans le coin, mais je peux préparer ça. Même si t'es pas du genre à respirer, ça sera quand même utile. Hein?
l'a déjà donné une mission à faire. Je suis aussi à sec que... Je suis vraiment à sec, quoi. C'est pas une lampe. Terre vague de Serenity, ouais. Donc y a pas grand chose à faire à part ça. Ouais, c'est vraiment une lune quoi, c'est drôle. Bitrou, tout va être... Ah d'accord. Ah, on peut récupérer de la santé. Donc pour l'instant, il n'y a pas de mission. Ça, c'est pour les véhicules. C'est original, c'est quoi ça? C'est super beau. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, mais il est fantastique ce jeu, il est beau. Vous avez vu ça un peu? Ah, graphiquement, il est pas mal. Autrefois, c'était un seul morceau ici. Et il n'y avait pas toute cette lave. Et puis ensuite, bah, la grande fissure, quoi. Il y a des... Des genres de skag. Les kraken, ils appellent ça. Galette crabe. Crabe. Oh là là. Surprise générale de personne. J'avais oublié, c'est verrouillé. Oups, plus qu'à cogner les serrures avec tes grosses paluches. C'est comme ça qu'on dit main ici. Je vois pas comment je peux faire. Ah, il y a la notion de gravité. C'est un élément supplémentaire. Tu pourrais aussi me tuer tous ces méchants? Pas très envie de me faire molester à nouveau. Sauter et atteindre le truc de l'autre côté. Ouais, boss. Ah. Je peux enfin m'améliorer au niveau des guns. C'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Jouer avec la gravité quoi. Faut pas avoir peur surtout. Jeter c'est quoi? C'est Q. Quit.
traînait autrefois sur l'ancien site de forage de Dalle. Les colonels Arpédon les achetaient en prison, mais ils ont fouillé quand les opérations de Dalle. Je suis désolé, les Arpédon. D'accord. Parce que pour les compétences niveau de Brutus, pour une petite compétence, j'en ai combien là? J'en ai un. Attends, pourquoi elle est pour interrogation? Si jamais tu me cherches, je serai dans mon campement. Attends, je vais faire effignorer. Mais non, mais c'est pas ça, mais voilà, merci. Ça se vend comme des petits pains, enchaîne-moi. Et toutes mes affiches de chatons sont déjà parties. Rejoins une de mes plateformes de saut. Comment on le rejoint, ce truc-là? Elle est là. C'est un cul-de-sac. Bon. Ils sortent de là-dedans, en fait. On arrive bientôt à une heure de vidéo, donc je pense que je vais arrêter. Tu crois pas que tu m'aies expliqué pourquoi tu voulais que je suis toi mort? C'est juste un connard. Ah, ok. Pardon. Il a aussi volé ma carte de numérisation, Monzumi. Il m'a laissé là, et c'est une insulte encore pensée qu'on n'était pas du même bord. Mais ce n'est que c'est un connard. Merci. Oh non! Très bien. Oh non, je vais crever. Comme tu veux. Oh là là là. Je veux que tu tues les chasseurs de l'Arche qui s'approchent de ton vaisseau. Va te faire voir, Zarp. J'en refuse d'obéir à la meuf qui m'a jeté en prison. Ils ont dit que tes plateformes étaient débiles. Je vais en faire de la purée. Ah, d'accord. Bon, on recommence tout depuis le début. Oh. Déjà, ça me fatigue. Je pense qu'on va couper là, parce que là, ça me fatigue déjà.
il commence bien. Il commence bien. Déjà, prise en main, bah, j'ai pas perdu mes... J'ai pas totalement perdu mes réflexes. Et numéro 2, c'est un jeu qui est propre, qui est très net, qui est bien optimisé. Je pense pas qu'il y ait d'énormes différences entre ce moteur-là et celui de Borderlands 2. Et comme on est du côté du méchant, bah, je trouve ça drôle, quoi. Ça me fait rire. On était à 100, on est à 120, on s'est amélioré, quoi. C'est pas mal. On est dans la bulle là-bas. J'espère qu'il y a un point de sauvegarde, parce que là, déjà, ça me fatiguerait de tout refaire. Je suis déjà niveau 4, hein. Et pour rappel, j'ai commencé niveau 1. Ah, il y a un point de sauvegarde peut-être. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Rigolit Ranch. Dead prop. Point mort. Dead drop. On est sauvegardé, donc on est bon. C'est quoi ça? C'est permuter si on active ou on désactive l'oxygène. C'est peut-être un moyen de jouer là-dessus. Alors, je pense qu'on se fera ça lors d'une prochaine BGS. Cette BGS 39 commence sur les chapeaux de roue. On peut dire que bah je suis pas perdu. C'est pas mal. Je suis pas encore vénère parce qu'on est au début du jeu et comment dire, la difficulté va en empirant. Mais on va dire que bah c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle BGS. Là c'est une version parlée. Dans le sens où je veux parler. Et comme le soir c'est un peu compliqué là, il n'y a pas de bruit, il y a tout le monde qui dort. Donc c'est bon, je peux ouvrir la bouche, mais c'est compliqué quand même. Donc je vais pas forcément parler lors des prochaines vidéos. J'espère que vous comprendrez. Faudrait que je précise avec un T peut-être sur les vidéos, est-ce que c'est parlé ou pas. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de BGS 39 with Borderlands, the pre-sequel. Allez, ciao.